escalier vers leur appart. Les jeunes femmes légères et souriantes et le concierge les observe distraites lire les cartes postales exotiques. Elles tournent lentement la clé dans la serrure, entrent, enlèvent leur manteau, posent leurs chaussures. Amour, quel homme ? Mais personne ne répond. Idiote, c'est jeudi, rentre pas. Elles écoutent les voix du répondeur, leurs copines, les emmerdeurs, une voix inconnue. Philippe, Marc, Manu, c'est qui ? Coiffeur, psy, kiné, sans prétention, le praticien du corps, du cœur et de l'âme, pour compète, pour remplir le vide. Elles mettent la radio à disque, un CD de Barbara, histoire de déchiffrer leur destin. Elles ont décidé, c'est l'heure, il faut changer, changer d'appart. Trop petit, trop brillant, trop grand et silencieux, trop loin de la zone piétonne, trop près pour se garer. Mais c'est dur de se décider, changer d'adresse, d'identité, de vie. Elles tournent alors lentement la clé dans la serrure et enfermées dans leur appart. Les jeunes femmes fatiguées, incohérentes, à la fenêtre regardent loin, se consolant lorsqu'elles croisent par-delà d'autres fenêtres, d'autres apparts, les mêmes regards vagabonds, vagabonds et incohérents.